Alors, Verstappen, les ajustements ont bien fonctionné. La deuxième séance d'essai libre était bien meilleure que la première. La voiture était beaucoup plus compétitive par rapport à Ferrari. On manque un peu de choses en ce qui concerne le comportement de la voiture sur les bordures et les bosses. C'est un point sur lequel on va travailler pour demain. Les Aston Martin sont également proches. Nous avons besoin de quelque chose de plus pour rester devant eux, a déclaré sur son site Verstappen. Il était toutefois satisfait de l'évolution au cours de la journée. Lors de la deuxième séance d'essai libre, selon Verstappen, la voiture se sentait beaucoup mieux. Il a pu pousser davantage. C'est un début de week-end difficile, mais avec une bonne fin pour ce vendredi. Le week-end se poursuit samedi avec une troisième séance d'essai libre et qualif. Ouais, bon, il a l'air plutôt satisfait. C'est vrai qu'il avait l'air énervé hein, à l'issue de la première séance d'être si loin, même Pérez était devant lui. Bon, là, Pérez, il a visiblement pas réglé ses problèmes parce qu'il a 5 dixièmes. Je sais pas s'il va communiquer quelque chose. Je vais surveiller ça, mais il est loin. Hein. Il est loin, Pérez, pour l'instant. Il va falloir se retrousser les manches, le roi des circuits urbains, là. Allez, ciao.